fait une petite faute. Elle a été remise au trot, s'est fait un petit peu gêner par une autre concurrente. Sirtegi, lui, est parti sur un long temps de galop et perd du terrain. Votre cas des caillons part bien. Valto Deslandiers a pris un départ canon. Vedette Deslandes aussi, tout en dehors. Les trois premières chances du premier poteau qui sont déjà là, avec également Twister du Verger, Ursi Rafoulet, Hualbert Venn qui est bien parti, alors que aux 50 mètres, Saphir de Filly a pris un départ très correct. Et excellent départ pour Ulka Médoc, le cheval du Sud-Ouest qui est déjà avec les chevaux des 25 mètres. Alors, en queue de peloton, il y a Rescousse de Barbe, Séduisant Fouto, Sierra Leone ou encore Ténor de Légende, alors que le numéro 12, Sirtegi, a perdu quasiment toute chance sur une grosse faute au départ. Dans le premier virage, le numéro 4, Twister du Verger à l'avantage, Kazakh Jaune. À son extérieur, il y a Valto Deslandiers, le numéro 6. Devant Ursi Rafoulet, l'As, à votre cadet Caillon, le numéro 3 et 4e. Devant Vedette Deslandes, à la corde sur une troisième ligne, il y a le numéro 2, Hualbert Venn. Devant Stitch du Ryotor, le numéro 7. Tout votre Karanga est très bien placé, 6-7e. Devant Tagada Tagada, Kazakh Blanche et Violette. Vient ensuite Speedy Livret ou encore Tamira Davaroche. Concernant Ténor de Légende, il patiente pour l'instant en queue de peloton avec Ulka Médoc, Saphir de Filly, Sierra Leone, Rescousse de Barbe et Séduisant Fouto qui ferme la marche, même si à plusieurs longueurs on retrouve quand même le numéro 12 Sirtegi qui n'a pas été disqualifié sur sa faute. Ils sont au bout de la ligne opposée. Votre cadet Caillon a pris les choses en main maintenant. David Thomas qui s'est installé aux commandes avec le numéro 3. Valto Deslandiers est en deuxième position, le 6, devant le 4 Twister du Verger. Tagada Tagada s'est un petit peu rapproché avec Vedette Deslandes également qui est là. À la corde, il y a l'As Ursi Rafoulet. Tout votre Karanga est à proximité des chevaux de tête, alors que Hualbert Venn se retrouve un petit peu ligoté maintenant, tout comme Stitch du Ryotor. Saphir du Filly est encore assez loin, mais dans le sillage, semble-t-il, de Ulka Médoc, l'autre très bonne chance des 50 mètres, qui pour l'instant patiente 10-12e. Ils sont deux par deux pour passer devant les tribunes. Reste un peu plus d'un tour à parcourir. Pas d'attaque pour l'instant. On a un petit peu repris, semble-t-il, en tête. Et c'est Valto Deslandiers qui, cette fois, a pris les commandes. Vedette Deslandes à son extérieur, le 5. Vodka des Caillons, le 3, est en troisième position à la corde devant Tuot Karanga, qui n'a pas fait d'effort. Attention à lui, il s'est fait ramener. Et il trotte maintenant quatrième, tout près des premiers, devant Twister du Verger. Tagada Tagada est sixième. Là, sur Sierra Foulet, patiente. Et voilà une attaque, celle d'Anthony Barrier, avec Saphir du Filly qui se décale maintenant pour essayer de se rapprocher, alors qu'il y avait une petite reprise de rythme en tête. Mais du coup, Dominique Sheridan a décidé d'avancer. Il a vu le wagon de 3 se rapprocher, il accélère en tête avec Valto Deslandiers, le numéro 6. Vodka des Caillons qui vient en deuxième position devant encore le numéro 5, Vedette Deslandes. Le 4, Twister du Verger est quatrième. En cinquième position, il y a bien placé le numéro 9, Tuot Karanga, devant le 8, Tagada Tagada, Saphir de Filly qui tente de se rapprocher à l'extérieur. Ursi Rafoulet, l'As, s'accroche à la corde avec Hualbert Venn, alors qu'un petit peu plus loin, Ulka Médoc est un petit peu enfermé. Tamira Davaroche tente de venir également, mais ça semble un petit peu difficile. Valto Deslandiers est complètement à l'extérieur. Dominique Sheridan est allé chercher le bon terrain, un petit peu comme au galop. Il se retrouve quasiment tout en dehors et va se rabattre maintenant pour aborder le virage. Mais en dedans, Vodka des Caillons est là avec Vedette Deslandes. Au centre, Tagada Tagada qui se rapproche avec des ressources. Tamira Davaroche est également dans le coup derrière les chevaux de tête avec Ulka Médoc. Saphir de Filly, le numéro 15, est complètement battu. Mi-tournant final avec Tagada Tagada qui a pris l'avantage maintenant sur Vodka des Caillons et qui se détache 2-3 longueurs d'avance sur Twister du Verger qui s'accroche. Vedette Deslandes a beaucoup de mal à réaccélérer. Attention à Ulka Médoc qui s'apprête à bien finir avec également Tamira Davaroche qui est déféré aujourd'hui et qui va semble-t-il jouer les places. La ligne droite bientôt pour Tagada Tagada qui a nettement l'avantage sur le reste du peloton. Vodka des Caillons qui se bat à la corde et qui bataille avec également Twister du Verger. Ursi Rafoulet au centre qui termine bien et puis tout en dehors. Il y a également Ulka Médoc qui finit en trombe. Tagada Tagada qui a nettement l'avantage maintenant dans les 100 derniers mètres. Devant Ulka Médoc, Sierra Leone également qui termine fort. Et puis à la corde, Hualbert Venn et le numéro 1 au centre, Ursi Rafoulet. Le 8, Tagada Tagada remporte la première étape du Trophée Vert. Devant le 18, Sierra Leone. Le 2, Hualbert Venn. Et devant le numéro 16, Ulka Médoc. Et ensuite, c'est peut-être là sur Sierra Foulet.